Et puis dernier match avec supporters au stade d'Anderlecht ce soir. Le Sporting joue son quart de finale de Coupe de Belgique face à Courtrai. Coup d'envoi à 18h45. Maëlle Arnold-Dussen, vous êtes sur place. Dès dimanche, le public ne pourra plus assister au match. Oui Valérie, c'est le dernier match auquel les supporters pourront assister avant la fin de l'année. Il faut dire que c'est un match capital. Les supporters sont venus en nombre, les rues adjacentes sont pleines, ils se sustentent de frites, boivent des bières avant le début du match. Et c'est un match capital comme je le disais, c'est-à-dire qu'ils peuvent se qualifier dans le dernier quart de la Coupe de Belgique. Ici, alors les supporters sont venus en nombre car c'est le dernier match auquel ils pourront accéder. Le comité de concertation a décidé qu'à partir de ce 26 décembre, il n'y aura plus de supporters dans les stades. Alors évidemment, les supporters sont déçus, sont parfois tristes et ne comprennent pas toujours ces décisions. Anderlecht se déplacerait une dernière fois à Berscott pour un match ici, le stade vide. Les supporters ne comprennent pas ces décisions. On en rencontrait d'ailleurs quelques-uns qui nous expliquaient qu'ils étaient tristes alors qu'ils avaient des abonnements de pouvoir venir à plusieurs matchs durant les prochains jours. Mais ce ne sera finalement pas possible. Alors évidemment, c'est la déception. Par contre, d'autres comprennent tout à fait par rapport à l'urgence sanitaire. Si la culture doit aussi subir des restrictions, pourquoi pas le sport. Mais en tout cas, le compte d'envoi ici est prévu pour 18h45 et ici avec le sourire.